friends are so grim, so, so grim. Now, the hand that grips me out there slim, so my friends just snap their end. On each other we depend. Après, qu'on fasse les jeunes photos là, ça va être le tracteur. Avec les gilets. Voir nos pensées enlacées.
et merci de votre présence aujourd'hui. Nous sommes tous rassemblés, citoyennes et citoyens du Grand Sénonais et au-delà, représentants des associations, de la Confédération paysanne, de différents partis et syndicats, pour dire notre opposition franche et déterminée à ce projet PANA, si manifestement nocif pour notre territoire à tout point de vue, environnemental bien sûr, mais aussi sur le plan de l'emploi, de la justice sociale et de la démocratie participative également. Donc 40 hectares de terres agricoles qui vont être ravagées, bétonisées à quelques pas d'ici. Nous nous y rendrons ensuite, vous pourrez voir les lieux par vous-même. Pour moi aujourd'hui c'est un moment marquant parce que nous posons les fondations d'une véritable proposition alternative à la gestion passéiste de notre bassin de vie. Une proposition d'espoir et de réalisme face aux urgences environnementales, sociales et démocratiques auxquelles nous sommes confrontés. Ici, à Sens, avec ce projet de Grand Art par exemple, dans Lyon, mais en fait partout en France et même dans le monde. Nous disons ensemble qu'il faut en finir avec le double langage des décideurs qui affirment tous être habités par l'ambition écologiste. Il n'y a pas de monopole de l'écologie, on entend souvent. Mais qui dans les faits reconduisent les choix toxiques qui nous amènent droit dans le mur depuis des décennies. Je laisserai bien sûr compléter mes propos par les amis du collectif Sens Écologie et Solidarité. Ils exposeront sans doute nos arguments dans le détail. Ils seront appuyés en cela par les représentations des représentants des associations, syndicats et partis avec qui nous portons ce combat collectivement. Pour ma part, je voudrais simplement apporter trois témoignages. En tant qu'habitant de Sens, investi dans la vie de ma vie et père de trois enfants, je veux dire mon opposition viscérale à ce projet, qui saccagerait encore plus l'espace naturel et ruraux, sacrifié sur l'autel du pire de ce que propose le modèle ultralibéral. Ces géants du e-commerce seront la mort à court terme de nos sociétés, de nos commerces locaux, de notre qualité de vie, j'en ai l'intime conviction. Il faut leur tenir tête, ici et partout. En tant qu'élu pour le collectif Sens Écologie et Solidarité, je veux dire ma consternation devant la manière dont ce dossier est mené par la majorité actuelle, dans l'ombre, avec la volonté manifeste de brouiller les cartes, de limiter le plus possible l'information des habitants et de museler les rares voix qui s'élèvent d'une opposition qui n'a pourtant guère de poids aux conseils municipaux et d'agglomération. La façon dont la présidente Marie-Louise Soir a coupé mon micro en pleine intervention lors du dernier conseil d'aglo me paraît ainsi tout bonnement intolérable. Enfin, en tant que représentant de ELV, chef de file de la liste écologiste et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté pour les prochaines élections régionales, les 20 et 27 juin prochains, je voudrais vous faire part du soutien total de Stéphanie Mode, notre tête de liste. Malheureusement, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle m'a envoyé un petit texte et après j'en aurai fini. Je vais vous en donner lecture si je le retrouve. Ah, je l'ai là. Voilà. Donc de Stéphanie, je suis autant que vous préoccupé par les questions d'emploi et de précarité. Le projet que vous battez, soutenu par la maire républicaine de la ville de Sens, promet encore une fois un nombre très important d'emplois à venir. Promesses souvent illusoires et sans doute des aides très importantes concédées par les collectivités. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, à Sens comme partout dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté, nous avons besoin de sauvegarder les emplois existants, des emplois locaux qui respectent le droit des salariés, de l'activité pour les commerces de proximité, pour les gérants et les salariés qui y travaillent, de l'activité qui respecte l'environnement avec des marchandises qui ne sont pas amenées pour repartir à l'autre bout de la France, de l'activité qui ne détruit pas les terres agricoles, de l'activité qui ne soit pas délocalisable si les actionnaires décident que ce n'est plus rentable. L'emploi qui se prépare aujourd'hui pour demain se trouvera dans la rénovation thermique des logements et bâtiments, dans la transition écologique de l'économie, dans l'alimentation de proximité. Nous avons besoin de l'argent public pour former aux métiers de demain, pour un service public de qualité, pour les emplois hospitaliers. Si vous êtes ici aujourd'hui avec nous pour vous opposer à ce projet délétère, c'est que vous avez conscience de la valeur de nos arguments. Contre la mort, le capitalisme mondialisé sauvage,
sauvage nous emmène, nous prenons la défense de la vie et la résilience. Contre le pragmatisme assumé par l'adjointe Clarisse Quentin, qui place le fric et le court terme avant la défense de nos terres et de notre environnement, nous opposons notre vision d'un monde libéré de la finance prédatrice et des intérêts d'une oligarchie que représente fort bien Marie-Louise Fort et sa bande. Cette petite caste de nos tables locaux confisque le débat public depuis de trop nombreuses années. Y a-t-il eu des réunions publiques ouvertes au débat sur ce projet énorme? Non. Pire, la petite caste s'enorgueillit d'avoir profité de la période Covid pour avancer sur ce dossier qu'elle cache dans son tiroir depuis 3 ans. Pourtant, aucune trace de panard dans les tracts électoraux de Cheptel. Madame est représentative, dit-elle, pas participative. Et quelle représentativité ! Plébiscité par un pourcentage astronomique de 15% des électeurs. On aurait pu attendre une prise de conscience de son illégitimité à gouverner comme une monarque. Au moins aurait-il pu faire semblant de faire mine de s'intéresser aux 85% des électeurs qui ne voulaient pas d'elle. Non, elle a su. Regardez les conseils municipaux, voyez ce mépris, cette incapacité à entrer dans le débat, sans vociférer ou tenter d'humilier. Lors de la campagne pour les élections municipales, nous avons proposé la tenue de référendums locaux sur des projets d'envergure, avec en amont des réunions publiques où des experts viendraient à la manière de ce qui s'est fait pour la Convention citoyenne pour le climat, éclairer les citoyens. Nous réitérons cette proposition. Nous réclamons l'ouverture de débats publics et la tenue d'un référendum local sur la construction de cette plateforme logistique. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que le résultat de ce référendum sera en notre faveur, peut-être ne le sera-t-il pas, mais au moins les citoyens de l'agglomération sénonaise auront une idée précise de ce que ce projet implique et pourront exprimer leur choix en toute connaissance. Mesdames, Messieurs, le monde d'après sera celui que vous déciderez par quelques moyens qu'il soit. En venant ici dire stop en art, nous ne disons pas simplement stop à la destruction de notre environnement local, nous disons stop à un système économique qui nous mène droit dans le mur, un système qui nous mène à la mort. À l'initiative de différentes associations et partis politiques, le collectif Stop en Arménie, une multitude d'actions. Le lycée de la moitié sur le chiffre d'affaires français. Il a détruit 3 millions de produits neufs et continue de faire disparaître les emplois du commerce traditionnel. Dans la continuité des marches pour le climat, ces actions concrètes de résistance et de révolte contre un système de surconsommation à bout de souffle sont salutaires. La France Insoumise soutient l'ensemble de ces actions. Les scientifiques tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme en matière d'urgence climatique pour garder un espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an. Au lieu de consommer l'équivalent de 3 planètes par an. Il y aura bientôt plus de plastique que d'oiseaux dans la Méditerranée. Il convient de rappeler que les premiers responsables de la pollution sont les industriels. Ouais, ça va, pas bien. Pollution de l'air, des eaux, extinction massive de la biodiversité, réchauffement climatique, problèmes de santé qui, en retour, nous plongent dans des catastrophes de plus en plus fréquentes et violentes. Incendies monstrueux, inondations, pandémies récurrentes. En effet, l'actuelle pandémie pourrait notamment résulter de la déforestation massive en Chine qui rapproche les animaux sauvages des zones habitées. Pour sortir de cette spirale infernale, il faut rebondir sur ces circonstances dramatiques et engager une rupture écologique et sociale avec le monde d'avant.
Cette crise doit nous conduire à réfléchir sur notre consommation, ses modalités et leurs conséquences sur notre planète. Elle doit permettre d'engager les reconversions des secteurs mis à l'arrêt ou ralentis par la crise sanitaire. Transport aérien, secteur automobile, production d'énergie fossile et nucléaire, avec des plans de formation massifs de leurs salariés. Une autre consommation est possible. Elle pourrait reposer sur une sobriété qui tient compte des limites de notre monde sans nous ramener au temps de la bougie, avec des produits locaux ou régionaux, produits par des personnes correctement rémunérées et réparties sur le territoire plutôt qu'entassées dans des entrepôts gigantesques et robotisés. L'urgence est à sortir de l'ère du tout jetable. Ces produits ou fabrications pourraient être distribués dans des circuits courts pour les produits agricoles, marchés, magasins de producteurs, AMAP, et dans des commerces de proximité pour les fabrications diverses, commerces de centre-ville, librairies, petites surfaces réparties sur le territoire. Le modèle des AMAP démontre en ces temps de pandémie sa robustesse. Il permet le maintien de livraison de produits frais toutes les semaines par les producteurs à leurs consommateurs dans des lieux où sont respectés les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Ce changement de voie nécessite que chacun dispose des moyens de cette consommation au juste prix et un changement de modèle économique qui met un terme aux inégalités criantes de notre monde. Cet autre monde peut se passer d'Amazon et des autres géants de l'e-commerce. Nous devons continuer à nous opposer par tous les moyens disponibles à tous les projets de nouvelles constructions d'entrepôts Amazon et consorts. Ni à Sens, ni ailleurs. Stoppons Amazon et son monde. Parti de gauche et écologiste se sont mobilisés contre l'implantation d'un méga entrepôt d'Amazon. Les mêmes causes produisant ici et là-bas les mêmes effets. Alors oui, à tous les décideurs, nous disons, entendez la colère qui s'exprime, renoncez à votre projet, écoutez les citoyens, leurs associations, leurs organisations qui ont une autre vision pour Sens et sa région. Oui, notre force et notre nom, rassemblés et déterminés pour gagner. Vous venez d'entendre des politiques. Voilà une association de défense de l'environnement, l'ADENI, qui est une association départementale et qui fait partie du collectif Stop Panhard. Alors, je vais pas dire grand chose parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement dire que tout le monde, je pense, a pris conscience du changement climatique avec les fortes gelées de la semaine dernière qui ont détruit des cultures de cette année, qui ont détruit les récoltes et les moissons de cette année pour certaines cultures. Imaginez qu'ici, ce sont 40 hectares gelés à tout jamais. C'est pas juste cette année pour un événement climatique majeur. C'est pour toujours que ces 40 hectares vont disparaître. Depuis 15 ans à Sens, on a déjà perdu une centaine d'hectares zone sud pour une zone commerciale. 100 hectares, plus 40 hectares ici, plus 15 hectares que Panhard va aussi préempter sur la zone des Vauguillettes. Mais là, on ne peut rien y faire. Le PLU, on a ainsi disposé. Ce double langage des politiques est insoutenable, inadmissible, scandaleux, c'est à hurler, c'est à vomir. Comment peut-on les croire quand ils nous disent qu'ils sont pour la défense du climat, pour la défense de la planète, pour établir une économie sociale et circulaire, sociale et solidaire, pour une économie circulaire qui ne fasse pas circuler des objets d'un bout à l'autre de la planète et les finir à la poubelle. Mais en fait, c'est eux qui sont à l'origine de ce gaspillage insensé. C'est eux qui ne nous protègent plus. Et ça n'est plus soutenable du tout. Voilà pourquoi nous sommes ici, nous aussi, avec la conscience aiguë que nous avons du changement climatique et du besoin plus que jamais nécessaire des terres à cultiver. Parce que ce qui nous nourrit, ce ne sont pas nos plastiques, ce ne sont pas nos iPhones, c'est bel et bien le pain et les légumes qui sont cultivés sur nos terres, c'est pas autre chose. On pourra se passer d'iPhone éventuellement, se passer de manger, se passer d'eau potable. Je vous mets au défi, vous n'y résisterez pas. Moi, je vais simplement vous parler d'agriculture. Tous les autres intervenants, le collectif, chacun avec ses sensibilités, a pu dire ce qu'il pensait de ce projet. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour comprendre ce que 40 hectares de terre peuvent représenter. Il faut à peu près 2 hectares pour un maraîcher pour pouvoir vivre et alimenter
planter 200 familles, une centaine de familles, pardon. C'est-à-dire que sur ces 40 hectares, on pourrait très bien envisager d'installer une vingtaine de maraîchers. Je vais vous donner un autre chiffre. Je prends des chiffres dans des productions respectueuses, hein, sans engrais chimiques, en bio en gros. On pourrait produire sur ces 40 hectares 160 tonnes de blé. Ça ferait à peu près 800 000 baguettes de pain produites à l'année. Un autre exemple encore, 70 tonnes de lentilles, 600 tonnes de pommes. Voilà, on pourrait décliner ça à l'infini en pot de yaourt, en litre de lait, en asperges, en fraises, tout ce qui fait qu'on a une assiette riche et complète tous les jours. C'est ce choix-là qu'il faut faire maintenant sur ces terres. Doit-on aménager, alors vous savez, dans le jargon de l'urbanisme, on appelle ça viabiliser. Réfléchissez bien à ce mot, viabiliser, c'est tout le contraire qu'on va faire. Ce qu'on demande, c'est que dans ces nouvelles négociations actuelles, on comprend en compte le travail et le nombre de personnes qui travaillent sur chaque ferme, plutôt que de financer des hectares et du coup pour favoriser l'agrandissement des fermes. Mais les emplois aux États-Unis, c'est des gens qui dépendent de l'aide alimentaire. À Boston, où j'habite, c'est 20% de la population qui dépend de l'aide alimentaire. À Boston, on voit davantage de camions Amazon qui font le tour partout que de bus du transport public. C'est tout le temps, y compris le dimanche. Devant mes fenêtres, tout le temps, il y a le balai. C'est Amazon Prime.
Les élus du Sénonais veulent transformer en entrepôt Amazon 40 hectares de terres agricoles qui veulent être bétonisées. Donc on est là pour amplifier cette création et lancer un mouvement social pour éviter que Lyon se transforme en un grand bâtiment logistique et de colis Amazon pour toute la Bourgogne. Ça va foxer apparemment.